Salut, bienvenue, c'est un plaisir de nous capables ensemble avec vous de parler de voleurs de navigation qui sont un outil qui permet de chercher un mot exact et permettre de naviguer en une page ou en section particulière dans un document. Et nous allons regarder comment nous pouvons utiliser les outils, ça c'est façon de parcourir un document plus facile. Avant tout, si vous vous abonnez, vous faites ça qu'on y a et activez les notifications pour ne pas rater aucune autre vidéo. On dit un peu, mais on va faire comme ça. Cool. Bah, le défilement lui-même est toujours important, il est toujours plus facile d'utiliser ce document de quantité de pages, ça, donc une page, deux pages. Mais si on va utiliser un document qui puis gomme utiliser un outil qui puis efficace, tant que volet de navigation. Volet de navigation permet de rechercher un mot exact pour capable de mettre tel mot, mais qui côté le trouver dans le document. Mais combien de fois l'afficher dans le document tout. Et que on est capable d'afficher volet de navigation ça plusieurs façons. Première façon qu'on va utiliser c'est dans affichage. Donc cliquez sur affichage, m'activer volet de navigation, il paraît à gauche. Il a toujours paraît à gauche. On est capable de faire ça tout dans onglet accueil. Là on clique sur accueil, on clique sur rechercher, dans rechercher on fait recherche avancée ou on clique sur rechercher immédiatement. Il paraît à gauche, c'est toujours facile c'est même barre là. Et que une fois que mon ouvre j'ai accès pour capable parcourir document maintenant dans l'espace ça c'est barre de recherche là côté que je suis capable de faire recherche un mot exact que j'ai besoin pour chercher tout par page. On dit ok document maintenant qui a 24 pages même là aller dans page 15 je juste cliquer sur page 15 c'est facile. J'ai besoin aller dans page 6 tout je juste monter je clique sur page 6 au lieu qui vraiment un peu prend plus de temps si ma parcourir document comme ça. L'autre option nous gagne encore dans volet de navigation c'est trois boutons ça on est capable parcourir par page et on ca parcourir par titre tout. Les documents gagne titre ça veut dire me dire OK bon moi par section par titre on peut titre ça pour bachelor period on juste cliquer sur lui on clique sur break periods exact et cetera et cetera. Donc n'importe ça que on a besoin juste cliquer sur lui à l'aide de avec les deux volets de navigation. L'autre option que volet de navigation bon là il capable un mot côté combien fois un mot paraît combien fois un mot paraît dans un texte ou bien dans un document et qui côté il paraît. Par exemple, on va chercher le mot part time. Part time. Le dit part time paraît 13 fois dans le document non. Et que les bam chaque côté le paraît. Donc si j'ai un côté particulier besoin, je juste cliquer sur lui. Une fois que cliquer sur lui, il dit oh OK, il paraît là. L'autre option gain encore. On peut parcourir document ça à l'aide de tableau, de images etc. Mais avant tout, il y a l'autre option l'autre appel mot besoin. Si m'aller dans page, là bam seulement page qui gagne mot ça apparaît là-dedans. Monter et que le document a 24 pages, mais il y a seulement une page qui a un mot là-dedans. Et que si je suis dans le titre, la change de couleur titre qui a un mot qui est part-time. Part là-dedans. Ok, je pense que c'est clair. Je suis capable de choisir personnaliser recherche. Moi, ça veut dire que je suis map chercher par tableau. Je clique sur tableau. On va cliquer sur tableau, là bam seulement page qui gagne tableau là dedans. Si je choisis graphisme, là bam seulement page qui gagne yon image là dedans. Moi c'est même plus clair sur ça et gagne l'autre paramètre capable configurer là dedans même si ou même capable pour faire ça. Ou capable gagne une équation qui te gagne dans tableau, dans document pour là, ou choisir que moi choisir seulement moi choisir seulement équation bon on va venir tout c'est simple et m'a conseillé n'importe le document qui l'âge non mais en tant qu'on travaille en mémoire qui gagne environ 80 pages un test qui gagne environ 400 pages là dedans ou pas obligé à utiliser barre de défilement seulement utiliser pan et utiliser volet de navigation cap bon outils nécessaires pour qu'à parcourir parce que gagne des documents là dedans qui gagne en pile texte là dedans texte à avoir ou obligé ça en fait ou besoin section là dans spécial ou cal et utiliser volet de navigation sans façon pour capable de joindre mais ça me voulait encore garder vidéo c'est toujours première étape là
Ça bien important pour comprendre il faut qu'on essaye de faire. Et si toutefois vous avez un document comme ça qui est large dans mon qui est assez large pour faire pratique ça, vous allez laisser mon ton méthode pour créer générer un document aléatoire. Ça veut dire générer ensemble de textes aléatoires qui pour capable de créer un document, un texte qui va vous dire rien, mais c'est juste son façon sur mon travail. Première façon c'est égal random, wind pour random, il veut dire aléatoire. On va passer parenthèse, m'a passé deux paramètres là-dedans. Premier paramètre là, lui-même, il veut dire combien paragraphes ou voulez texte ou en gain. Ah bien, donc, moi, je me dis, je veux un paragraphe qui est, je veux un document qui est 24, qui est 25 paragraphes là-dedans. Virgule. Deuxième paramètre là, il dit combien phrases que ma baye paragraphe moi chaque paragraphe yo combien phrases m'a mettre là OK m'a mettre 10 phrases moi dit phrases une phrase commence par une lettre majuscule et finit par un point c'est que dans wind là on dit égal wind on fait 25 pour dire combien paragraphe m'a mettre et 10 qui dit combien phrases m'a mettre en dans chaque paragraphe on fait enter bingo. Oh my god. Automatiquement, mon document de 10 pages. Bien facile. Ouais, là, on pense au grand document devant qu'on a pour essayer de faire pratique. Par exemple, là, moi, mon image, si vous avez besoin de faire pratique à mon image, je juste taper image pour combien de fois image paraît dans le document. Et que là, il paraît 28 fois. Ça, c'est moi pour faire pratique là même. Essayez de générer un document sans façon pour qu'on va aller, pour qu'on faire pratique là. L'autre façon qu'on va créer ça encore, c'est avec l'OM. L'OM c'est une zone de texte encore que nous utilisons dans site dans les affaires site web. Capable dire là pour qu'on gagne vraiment donner pour utiliser dans site là ou générer un texte pour capable mettre après ça l'OM vraiment donner changer là. OK, c'est même principe là. Combien paragraphe vous voulez et combien phrases vous voulez dans paragraphe là. Vous faire une parenthèse ou faire enter même bagarre là. Donc même quand on a seul bagarre pour faire oh man. Al pratiquer. Et puis m'a remercie encore parce que prends ton garde vidéo, pas oublier partager là avec amis et puis abonnez-nous pour reste vidéo. Oh, mais pas vite bye bye non. Bye bye.